C'est sous une pluie battante tombée dans la ville portière de Matadi que le gouverneur de province, Dr Dibangoulou Lidi, a procédé à la réouverture de l'avenue Kinshasa sur le tronçon Londé et station indienne Vuvuketo. L'angle des 200 mètres, la réhabilitation de cette artère est un ouf de soulagement pour ses usagers. Très applaudi par la population venue en nombre pour la circonstance et au reste déterminé à soutenir les actions du gouvernement provincial. En liesse, la population a encouragé la volonté politique de l'exécutif provincial. Vraiment, on a fait le mingi. On a géré le gouverneur au fond de la vie sur Ango. Pour y avoir dérangé la population. Le gouverneur est au Congo central. Et ça, le gouverneur est solo, il y a Gibandou, sans polémique. C'est là où le gouverneur a dérangé la vie sur Ango, tu sais, il y a une action à Boé. Tu n'y as pas de mingi, tu n'y as pas de la peau, tu n'y as pas de la peau, tu n'y as pas de la peau. En tout cas, il y a une sépelle pour la papa, la simplicité, la sémboula, mais il y a une peau à fond, la peau. Lancé le dimanche 23 juillet de l'année en cours, les travaux de cette route ont pris fin en septembre dernier, soit une durée de 2 mois. Exécuté par l'Office des voiries et drainages et financé sur fonds propres du gouvernement provincial dans le cadre de la grande campagne de réhabilitation de la voirie urbaine de la ville de Matadi.